Bonjour à tous. Cette nuit, on a eu une galère. On a explosé notre notre Fnacot Caplage. Donc, il est parti à l'eau, de ce côté-là, dans le sol, avec des écoutes et tout ça. Donc, c'est 2 heures de bricolage, un peu galère. Voilà, donc c'est vraiment pas agréable de déchirer une voile. Bon, c'était une voile auto-modifiée, plus plate. Bon, bref, elle n'a pas tenu. Voilà. Je pense qu'elle s'est explosée le long du guindan, le long l'avant du bateau, là, l'avant de la voile. Ce que j'ai récupéré, de ce que j'ai vu, comment elle était déchirée. Donc voilà, donc là on est sous J2, on repart comme ça. Voilà, on est à 600 000 de l'arrivée, 615 000 exactement. Les 3 premiers sont arrivés. Grand bravo à eux. Et voilà, nous on va arriver dans 36 heures à peu près. On aura du vent soutenu jusqu'à l'arrivée. Voilà, forcément ça va handicaper un peu, mais je pense qu'on a tous un dos de petites galères. Mais voilà la mienne de cette nuit. Mais on va faire avec, hein. C'est comme ça. Hein. Allez, c'est pas agréable de chier une voile, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et l'objectif, faut pas oublier, c'est que. C'est finir la course et essayer de finir pour en tirer plein d'enseignements. Donc voilà. Là, l'enseignement de cette nuit, c'est que le voile, ben, ça tombe bien. On devait la changer en 2024. Donc voilà, pour s'y conforter, c'est ça qu'on peut se dire. Allez, ciao!